Dans le cadre de l'an 1 de l'exercice du bureau exécutif provisoire qu'il dirige, le président national de la Convergence patriotique panafricaine, CPP, s'est prononcé le samedi 20 novembre dernier sur la situation de l'opposition togolaise dans son ensemble liée à la présidentielle du 22 février 2020. Adrien Beleki-Akout relève que ce scrutin l'a affaibli et la nécessité d'en tirer leçon. Si nous tirons pas aujourd'hui leçon du passé récent, de ces difficultés aujourd'hui, cela veut dire que nous ne faisons rien. Voyez ce qui s'est passé après l'élection présidentielle de 2020, ça a affaibli l'opposition dans son ensemble, les partis dominants ne sont plus des partis dominants aujourd'hui. Donc reconstituons cette opposition, a déclaré le patron de la CPP à l'occasion. Le pouvoir, croit-il dur comme fer, a besoin d'une opposition forte, solide, pour éviter de tomber dans les erreurs d'un parti unique qui ne dirait pas son nom. Donc si l'opposition n'est pas prête pour faire des propositions concrètes et idoines pour faire avancer les choses, je ne crois pas que nous irons de l'avant, nous allons faire ce que nous appelons chez nous la danse des angbeto, en tournant en rond.